Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode, nous sommes Michael et Bob et Solo. Aujourd'hui, nous avons un autre segment, questions pour les geeks. Vous nous posez des questions, on a des questions à se poser, on est surpris de la réponse. Puis, on élabore pas trop. On est surpris. Plaisir. On commence avec la première question, c'est... quelle est votre compagnie de jeux préférée et pourquoi? Ah, oh, merde! je vais commencer, ça va être facile. Non, tu peux pas commencer. Ok, je commence. C'est nous autres qui commencent. Bob commence. Hey, non, toi! Hey, pourtant, c'est facile, vous. Moi, je sais quoi, toi? Non. Toi, je sais quoi aussi. Non, peut-être pas toi. Pas Square, là? Non. Ok, moi. Ah, oh, là. Moi, j'irais avec. Je pense que je vais y aller avec. Ouais. Oh, là, qui dit ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il y a plusieurs jeux qui ont fait. Ben, ok. Premièrement. Parce que leurs jeux sont de qualité. Ben, ouais, c'est ça. Ils font des jeux de qualité. Ouais. Ils font beaucoup de jeux de styles différents. Ouais. Ce que je respecte. Puis aussi, ils ont pas eu peur de créer une nouvelle franchise depuis un bout. Ouais. Contrairement à d'autres, que c'est vraiment la répétition. Quoique, en ce moment, on dirait qu'ils se lancent un peu dans la répétition. Pas Assassin's Creed. Ben, Assassin's Creed, mais tu sais, sont pas juste ça. Il y en a d'autres, on dirait. Ouais, ils ont comme rentré dans. On en fait d'autres. Je comprends, là. Mais, ben, tu sais, au moins, ils ont pris un break, je pense que je le sais quand même. Je comprends ça, mais. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, plusieurs de leurs jeux qu'ils ont fait, ça a été dans mes préférés, comme Assassin's Creed. Bianco des Niveaux, moi, j'ai adoré ça. Les jeux d'exercice. Non, mais tu sais, c'est comme ils ont rentré dans le marché. Okay, ouais. Sinon, qu'est-ce que Ubisoft ils ont fait jamais? En fait, là, juste Code Penguin. Non, parce que. Ouais, ça, c'est ce que j'ai jamais fait. Mais tu sais, j'ai jamais été vraiment déçu à fond par un jeu Ubisoft. J'ai jamais fait comme moi, c'est de la merde que c'est Ubisoft. En tout cas, pas je me suis fait. C'est un contenu quelconque. Moi aussi, j'aime beaucoup Ubisoft. Il y a une époque où j'aurais clairement dit Square. Mais à Star, c'est plus vraiment Square Enix à Star. Non, parce qu'ils ont fait plein de jeux qui m'ont déçu. C'est dur à dire. Je sais quel que c'est pas, mais je sais pas quel qui est, malgré celle que tu sais pas. Nintendo, je trouve qu'il se répète pas mal de nos jours. Fait que elle, c'est pas vraiment une de mes préférées. Mais non, moi. Il y a 5 ans, oui, puis maintenant. T'as ta préférée, il y a 5 ans? Genre, il y a 5 ans, donc. Ah, ben, genre. Ouais, dans le temps, sur GameCube, il faisait des bons jeux, là. Ouais. À GameCube, là, regarde ma liste de jeux GameCube, c'est, je pense, 95% des jeux. Tu prenais même un jeu comme Luigi's Mansion dans le temps, pis c'était différent, là. Ils essayaient encore des affaires nouvelles avec leurs personnages. Maintenant, avec la Wii, toute l'originalité a disparu. Ouais, c'est juste des remakes. Beaucoup plus bas. Même des jeux qui ont pris des jeux de GameCube, qu'ils ont mis sur Wii, juste avec Ok, mais c'est quoi ta compagnie? Le BioWare! BioWare, hein? Mais c'est fait, hein, écoute! Tu joues à Dragon Age? Avec quoi? Dragon Age. Ouais, quand tu joues à Dragon Age, là, c'est genre, c'est presque la même chose que moi, c'est vrai. Ok. Ouais, ben, je suis chaud. Tu vois, c'est extraordinaire. Pis toi, c'est quoi? Moi, la compagnie, en ce moment, là, que j'aime le plus, c'est Valve. Parce que je trouve. Ah, j'hésite en deux, c'est ça, Valve? Parce que. C'est Telltale. Telltale, nous, je l'aime. Ouais, Telltale aussi. LucasArts! Mais c'est parce que. Elle est bonne. Mais Valve, parce que pas juste à cause de Portal. Parce que Valve, je trouve que. Steam, ils ont vraiment fait de la bonne job avec Steam. Si on regarde Electronic Arts avec leur Origin, puis avec, ils essayent de faire le plus d'argent possible. Tandis que Valve, ils font tout le temps des rabais. On dirait qu'ils aiment le consommateur, ils aiment leur public, et ils font ce que le monde veut. Ils ont essayé des nouvelles franchises, ils ont essayé le Fall Dead qui est original, Half-Life qui est un classique, Portal qui ont pas eu peur de sortir un jeu. Ouais, puis Steam, j'aime beaucoup Steam. Dernièrement, ils ont fait un rabais, le Summer Camp avec des rabais épouvantables. Ils ont même utilisé l'achievement pour donner des prix. Je trouve que c'est une compagnie qui. J'ai l'impression qu'ils mènent. Mais tant mieux. Ils aiment leurs joueurs. Fait que je trouve que c'est une compagnie qui mérite d'être. D'avoir son statut. C'est bon, on a tout un choix. OK. Ma prochaine question, c'est sûr que c'est un peu une question pour moi parce que j'aime ce genre de jeu-là, mais qu'est-ce que vous pensez du déclin des jeux de musique? Oh, les jeux de musique! Oh là là! Oh, c'est simple, les jeux de musique, c'est tout le temps la même affaire, mais tout le temps, là. Puis, moi, l'affaire que j'aime des jeux de musique, là, c'est que j'aime quand j'aime la chanson. OK?
Fait que t'aimes le soundtrack, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est pratiquement, tu joues une soundtrack, c'est ça, je veux dire, que ouais. Pratiquement. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, je vais avoir du fun à un peu pacer, c'est plus tard. Augmented reality soundtrack. Mais si j'aime pas la chanson, je m'en fiche. Carrément. Si j'aime la chanson, c'est comme si j'écoute une chanson. Tu sais, si t'écoutes la chanson dans ton iPod, c'est-à-dire tu l'aimes la chanson, fait que pourquoi c'est comme si c'était la même chose, mais en même temps, t'as le jeu, fait que c'est comme... Mais si je l'aime pas, je m'en fous, pis j'aimerais avoir le choix, mais à 100%. Ben, il y a 2000 chansons sur... Non. Je veux le choix. Ouais. Mais si je regarde, je fais comparaison que c'est dans mon iPod, que c'est dans Rock Band, ou Guitar Hero, ou whatever, je n'ai pas le choix à 100%. C'est pour ça que quand il avait annoncé l'Ips, il disait « Ah, oh, vous allez pouvoir mettre vos chansons. » Et puis j'ai dit « Ah, avec ton verre, ouais, je vais faire, ben oui, c'est ça. » Pis, tu sais, quand je dis avoir le choix, c'est pas comme dans l'Ips, que oui, tu peux faire jouer ta chanson pis qui sort vraiment comme qualité iPod ou whatever, pis, mais t'as pas l'information, t'as pas les paroles, t'as pas les notes. Moi, c'est ça je veux. S'ils font ça, je rembarque dans le bandwagon. Sinon, okay. moi, je reste out. Mais qu'est-ce que tu penses du déclin? Est-ce que c'est ça que ça va pour revenir? Ah, ça va revenir s'ils font ce que je dis. OK. Selon moi, parce que sinon, je vois pas d'autre chose que Rock Band, qu'est-ce qu'ils ont poussé le plus, c'est racheter le pro instrument, puis mais c'est pas un assez gros marché, y a pas grand monde pour payer non, pour une guitare, pour 300$, par exemple, il est un genre qui est dur à faire évoluer, puis c'est rare qu'il y ait un jeu qui est différent, là, comme Rhythm Heaven, ça en est un exemple d'un petit qui est différent, là. Mais sinon, la générale sont toutes pareilles, puis moi, ben, c'est juste pas mon genre, là, parce que de toute façon, j'écoute pas la musique tant que ça, déjà, c'est pas mon intérêt. Moi, je trouve ça dommage que ce soit en déclin, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste surexploité le marché pendant que c'était populaire. C'est souvent ça qui arrive avec tous les styles, sauf que le style de musique, le style de jeu de musique qui a passé il y a 2 ans à peu près, les Guitar Hero, ils en sortaient quasiment 8 par année. Oui, je trouve ça dommage, parce que moi, je respecte la série Rock Band, je trouve qu'ils ont toujours avancé. Il y en a juste 3 Rock Band, dans le fond, même, il y a ceux avec les bands, là, pis y a les packs de musique. Oh, ouais. Y a juste 3 Rock Band, pis à chaque fois, ils ont rajouté quelque chose de plus. Ouais. Ça, je trouve ça dommage. Ah, c'est sûr, ça va aussi. Ça va être dur de revenir, surtout que c'est un style, surtout que les instruments sont pour une console. sont pour une console en particulier, là. Alors, je rachèterai pas tous les instruments pour la prochaine Xbox. Ouais. c'est ce qui est arrivé avec les Bemani. Les Bemani pour PS2, tous les contrôleurs sont juste compatibles avec PS2. OK. Qu'est-ce que vous pensez de la difficulté des jeux d'aujourd'hui? Est-ce que les jeux sont trop faciles? Ça améliore l'expérience. Tu commences ou je commence? Je peux commencer. Ça dépend desquels. Je trouve qu'il faut juste trouver la bonne balance. Je trouve qu'il faut juste trouver la bonne balance entre... tu mets tant de checkpoints, mais tu mets quand même un challenge, parce qu'il faut qu'il y ait un challenge au jeu, il faut que j'aie l'impression. Mais à part dans un jeu à histoire, Heavy Rain, ces affaires-là, là, ça avance tout le temps, là. Ouais, je veux dire, sinon, en général, il faut qu'il y ait un petit challenge, que oui, je peux mourir, il faut quand même que j'acquière un petit talent pour progresser. Ouais. Ça a toujours été ça l'intérêt des jeux, dans le fond. Ouais. Mais sinon, si c'est trop difficile, ben là, c'est un autre extrême. Faut juste trouver la balance. Ouais, mais c'est ça, je suis d'accord, faut qu'il faut qu'il y ait une bonne courbe d'apprentissage, c'est simple, c'est ça. Pas toujours. Faut qu'il y ait une bonne courbe d'apprentissage. Si tu as sélectionné la difficulté normale, faut que ça reste normal. Faut pas que ça devienne hard, crazy. Puis, moi, j'aime mieux que ça soit plus facile, parce que je compare aujourd'hui au passé, j'aime beaucoup mieux aujourd'hui que c'est facile. Moi, mon objectif quand je joue un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Facile. Il faut que ce soit normal. Ouais, mais normal, c'est pas supposé être sûr. T'es pas supposé que quand tu joues un jeu. Une couple de fois quand même. Tu veux dire. Moi, j'aime ça quand je meurs, pis ben, je sais que c'est une erreur que c'est ça. Si c'est de ta faute, y'a pas de problème, c'est ça. Ouais, sûr, si c'est un problème de contrôle, là, le jeu, y a vraiment un défaut. Là. Non, mais je veux dire. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs jeux, tu vas perdre parce que c'est pas juste. Comme justement, t'expliquais le jeu de musique, le jeu de tennis. Bon, ouais, j'ai joué un jeu de tennis, pis j'étais à la difficulté normale, pis à cause que j'ai dans un tournoi du Grand Chelem, rendu à un certain moment dans le jeu, dans le tournoi, le joueur, il passe de normal que j'ai batté 3-0, 3-0, à je me suis fait clencher 3-0, 3-0, puis j'ai pas touché la balle, là. Il fait des as, c'est comme, c'est plus le même monde, là. Ouais. Ça, c'est mauvais. C'est un défaut de design, ça devrait pas arriver de nos jours, ça, les problèmes d'intelligence artificielle. Oh, ça arrive tout le temps. Ouais, mais je veux dire, ça le ferait pas, mais ça arrive tout le temps, puis c'est pas réglé, ça. Ouais. Je pense que il y a certains jeux qui ont compris que c'est plus fun, qui sont...
un jeu vidéo, c'est un divertissement, comme tu dis. Ouais, c'est le fun quand on continue, on a l'impression d'avancer, pas d'être bloqué. Mm. Mais surtout, l'important, c'est pas d'être obligé de recommencer tout le temps, là. D'avoir l'impression que, OK, j'ai réussi ce challenge-là, je suis prêt à passer à d'autres choses. Ouais, c'est sûr. Pas de me le faire recommencer parce que, j'ai raté plus loin. Ouais, c'est en plaisir. Tu sais, c'est comme les jeux de Nintendo, bon, je veux juste dire, les jeux de Nintendo sont dans l'autre extrême de facilité. Tu meurs une couple de fois pis c'est comme, OK, skip le niveau, skip le monde, skip tout. Ouais, là, je suis pas d'accord. Tu sais qu'il y a un jeu qui a la difficulté parfaite? Non. Super Meat Boy. Ouais, pas ce jeu. OK, next. Next. C'est quoi les jeux que vous attendez? Ouais, quel jeu qu'on attend le plus? Oui, que vous attendez. Ben, comment donc? probablement Mass Effect 3, parce que... Ok, mettons que tu peux en nommer deux, là. Ben, non, mais Mass Effect 3, c'est celui. C'est lui, là? Ouais, ouais. Ok, Mass Effect 2, t'as bon, ouais. Non, mais c'est parce que c'est juste récemment que je me suis lancé dans Mass Effect, pis j'aime juste pas mal tout de ce jeu-là, à part qu'il y avait beaucoup de bugs dans le premier, là, mais j'aime juste pas mal tout, l'histoire est profonde, les choix. Pis... Il y a deux meilleurs, même. Ben, le 2, j'ai commencé, pis ouais. Il y a l'avoir rien. Moi, j'ai une chicane avec un, en tout cas. Moi, le jeu j'attends le plus, Jurassic Park, Claire, ça va être le meilleur jeu de tous les temps. Pour ceux qui aiment Jurassic Park, quelqu'un qui aime pas Jurassic Park, ça va être un jeu comme les autres, normal, peut-être, va peut-être s'en foutre, parce que, c'est moi, quand j'ai vu la vidéo que tu vois, regarde, juste les logos que la façon qu'on dessinait. C'est des petits détails, là. Quelqu'un qui connaît Jurassic Park, il aime ça. Okay. Moi, j'ai adoré ça. Oh, ouais. Pis si, mettons, l'autre que, mettons, on va parler, lui, là, que, je pense, avant d'être lui, je pensais pas. C'est pas le cochon que je t'ai vu. C'est, mettons, lui sortirait aujourd'hui, je le jouerais là, Far Cry 3, là. Okay. Moi, man, il beau graphique. Non, non, mais c'est cool. C'est comme le jeu Lost. Okay, non, mais tu sais, t'es vraiment sur l'île, pis tout, pis, je pense pas le jeu Lost. Non, non, mais tu sais, je pense. Un jeu Lost, parfait. Un jeu que Lost aurait dû être. Non, mais tu sais, With Me, le speech, là, du méchant, là. Ben, je m'excuse, là. Meilleur speech de tous les temps d'un jeu vidéo, je pense, là. Hey, je l'écoutais, pis j'étais comme. C'est ça, là. Moi, le jeu que j'attends le plus, peut-être, s'il sortirait demain, j'irais l'acheter, c'est Batman Arkham City. Ah, oui, lui, c'est vrai, ouais. Pas autant. Parce que. d'avoir plus de liberté, pis plus de move, pis Pis Batman, il est juste... Batman, c'est un incontournable. Mais moi, c'est pas à cause de Batman, c'est pas parce que le 1, j'avais mis. Ouais, bah c'est ça, fait que si on gardait la même mécanique de jeu, si on gardait la même ambiance, et lui, pis c'est sûr qu'il y a une autre tonne de jeux que j'attends. Celui que j'ai le plus en ce moment, c'est Eleven, oui. Je suis peut-être la seule personne au monde qui l'attend. Mais je trouve que c'est un jeu qui est original, qui est le fun, qui est rythmé, pis que quand on finit de jouer à ce jeu-là, on a vraiment amélioré son sens du rythme. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi à faire. On a plugué Metamethan deux fois. Hein? On a plugué Metamethan deux fois. Ah ouais? Comment ça? Ben dans la question sur les jeux de musique. Ah ouais. Ah ben ouais, gazon. Ouais. William Evan sur Wii, il s'en vient en Amérique bientôt, mais là, il sort juste au Japon pour l'instant. Moi, j'ai hâte à Summer of Arcade. Ça va faire Arcade avec... Là, c'est plugué 12 jeux. Ben, il y en a 5. Peut-être Batman sont comme... Ah, mais tu sais, dans Summer Arcade, il y en a 5. Mais il y en a 3 qui sont pas dans la liste, mais sont comme dedans. Pas Misplosion Man. Misplosion Man, il est pas dedans. Il est pas dans la liste parce qu'il y a... Mais il compte, là. Ah, il sort en même temps, je m'excuse, là. Ben, il sort la semaine prochaine, genre en fin de semaine, là. Mais t'attends pas From Ninja Kinect. Non, c'est ça, j'attends From Dust, Bastion, pis Xenu Twisted Shadow Planet. Bon. Que, il y a aussi une autre? Oh, pas la folle. Ok, c'est une question étrange. C'était. Une question étrange. Si on rouvre votre PC, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, ben oui, c'est quoi dans mon PC? Moi, j'ai mon PC. Ok, c'est facile. Regarde, si vous ouvrez mon PC, qu'est-ce que je trouve? Ok, j'ai un peu de musique. J'en ai pas beaucoup. Okay. J'ai à peu près 4 gigs. Je suis pas un gars quand on va faire de musique. J'ai pas beaucoup de programmes. Moi, les programmes que j'utilise, c'est surtout pour l'école. Ça va être les programmes genre Visual Studio, c'est du pour coder. Mon PC, c'est un outil de travail beaucoup. Peu de films. Je regarde beaucoup mes films sur Netflix. Ça va peut-être trouver plus de séries de télé. Puis, pas beaucoup de photos, je trouve. Quelques images. C'est pas des photos, c'est des images genre que j'ai trouvé comme intéressantes, j'ai trouvé sur Internet. Des jeux, tu t'en dis? Non. J'ai genre un jeu. T'as pas les bundles, là, sur Steam, là? Non. Je sais plus. Moi, il y a celles-là, parce que je les ai pas toutes finies.
J'ai quelques jeux, comme j'utilise Netflix, j'ai juste quelques séries TV, mais en général, mes films, je les écoute sur Netflix. Moi, j'ai Chrome. Moi, je prends Chrome. J'ai pas vraiment de photos, moi, non plus. J'ai évidemment le logiciel de travail, la suite Adobe, puis Vegas aussi, pour éditer les vidéos. Là. Pas mal, ça. Moi, c'est Steam. Je trouve que Steam, c'est une bonne plateforme de jeu quand une console. Parce que, quand que vous avez un ordi puissant, c'est Steam, c'est le fun. Parce que tous les jeux vont être aussi bons que sur console. C'est sûr que c'est pas une manette pour PC. Ouais, pour certains jeux. Là, les jeux qui sont de plus en plus fiables pour jouer avec manette. Moi, j'ai une giga collection de musique. J'achète ma musique. J'achète sur iTunes Store, sur Beatport. Moi, je dis rien. J'achète en disque aussi. Un album qui est bon, je l'achète en disque, puis je transfère un peu trop sur mon ordinateur parce que je crois encore que on devrait acheter notre musique, que ce soit en digital ou que ce soit en CD, en format physique. Je pense que. Je pense qu'il y a personne qui va t'en vouloir que tu crois. Non, mais je suis d'accord avec toi, faut encore l'acheter. D'acheter un album. Je crois pas acheter une pièce. Je crois plus à l'album, moi. Moi, je crois à l'album. Je pense que si on veut vraiment l'expérience complète, ça prend autre chose que juste le single. Souvent, le single qu'on entend à la radio, ça représente pas l'album. C'est souvent la pièce la plus populaire que l'auteur s'est dit, OK, je vais faire cette chanson-là pour être capable de... Ouais, tu crois encore à la radio? Non. Oh, hein, t'as vu? Justement, parce que ce qui se passe à la radio, c'est populaire, tandis que souvent, sur l'album, c'est d'autres choses. Mon meilleur exemple, c'est Flatbeat de Monsieur Oiseau. Lui, il a pensé à la radio. Flatbeat, ça a été un succès. Mais quand on écoute son album, Analog Warm Attack, on se rend compte que c'est pas ça. Flatbeat, ça a été un succès? Ouais. C'est quoi Flatbeat? Un succès à radio? Ouais. Okay. C'est connu. Flatbeat, c'est quoi Flatbeat? C'est Mariana Jones, Pat Eric. J'ai le podcast aussi, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça. Moi, c'est iTunes. Je download mes podcasts. Moi, j'aime ça qu'ils téléchargent automatiquement. C'est les Version Tree, Nation, Bad Jacket, Show. Ok, ouais. Ça, c'est bon. iFanboy. C'est bien. Je pense que c'est ce qui conclut cette période de questions. vous pouvez aller voir plus d'articles sur le site geekmodeblog.com, un article à tous les deux jours sur toutes sortes de sujets geeks, jeux vidéo, films, comic books, séries télé et plus. D'ici là, à la prochaine!